Donc, comme à peu près à chacun de nos congrès, ce moment de conclusion est celui aussi de la présentation du congrès suivant. En 2022, il se tiendra en Suisse, fin juin ou début juillet, à une date et dans une ville qui vous seront précisées bientôt. Il se tiendra en présence, du moins il est permis aujourd'hui de le supposer. En voici donc le titre et l'argument. Le titre, c'est « Fixation et répétition ». La répétition est un des quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, comme Lacan les reprend dans le séminaire 11, où il introduit avec la répétition un nouveau mode du réel. Pour ce faire, il la distingue du transfert que les post-freudiens avaient écrasé sur la répétition de figures du passé. La fixation, quant à elle, est un terme freudien, plutôt discret dans l'usage qu'en fait Freud, qui ne lui donne jamais un grand destin dans sa métapsychologie. C'est Jacques-Alain Miller, lecteur de Freud, qui lui donne une nouvelle pertinence dans sa traversée du dernier Lacan. Je cite Miller, « La jouissance, dit-il, est un événement de corps. Elle est de l'ordre du traumatisme, elle est l'objet d'une fixation. » C'est dans le cours « L'être est l'un ». Et il fait explicitement référence à Freud à ce moment-là. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que Jacques-Alain Miller prend appui sur Freud pour nous proposer un accès au dernier Lacan. Je vous rappelle qu'il avait déjà proposé en ce sens une lecture de « Inhibition, symptômes et angoisses » de Freud. Je me suis donc, j'ai divisé mon argument en trois fragments. Le premier, je l'intitule « Fixierung », du terme allemand freudien pour la fixation. Je me suis en effet reporté à l'index des Gesammelte Werke pour trouver que la fixation est un terme qui apparaît chez Freud quasi pour la première fois en 1905 dans les trois essais sur la théorie sexuelle. Dans le développement de la vie sexuelle, Freud repère de premiers facteurs perturbants, étant entendu, bien entendu, qu'elle est perturbée à des degrés divers chez chacun. Ces premiers facteurs, qu'il considère comme constitutionnels à l'époque, sont encore peu précis chez Freud, mais ils contiennent ce qu'il appelle une adhérence aux impressions de la vie sexuelle. C'est cette adhérence qu'il nomme capacité de fixation. C'est lors de rencontres ultérieures, faites d'activations accidentelles de la sexualité infantile, que ce matériel peut, je cite, être fixé sous la forme d'un trouble durable. Voilà la fixation, dont la structure élémentaire est ici déjà présente. Il y a deux premiers facteurs, ranimés par une contingence traumatique, qui produit une fixation dans un symptôme dont l'élément durable nous permet de sous-entendre une répétition. Chaque pas sur ce long chemin du développement de la vie sexuelle peut devenir, dit Freud, point de fixation. Ce qui se précisera dans la suite est que ces premiers facteurs relèvent toujours d'une dimension pulsionnelle. En 1909, dans « Sur la psychanalyse », qui sont ses conférences américaines, il est plus précis. Les symptômes hystériques sont décrits par lui comme des restes et des symboles commémoratifs d'expériences traumatiques. Et il témoigne ainsi d'une fixation au trauma. Cette fixation ne concerne donc pas seulement les signifiants du trauma, les symboles commémoratifs, mais aussi sa charge d'excitation, ce qu'il nomme les restes pulsionnels. N'est-ce pas, le symptôme en effet là est déjà donné avec d'une part son effet signifiant et d'autre part sa charge de jouissance qui est la fixation comme telle. C'est encore plus clair dans la 18e de ces conférences d'introduction à la psychanalyse qui porte justement sur la fixation.
Ce texte de 1917 est postérieur à la guerre et le lien se fait ici avec les névroses traumatiques. Comme dans celle-ci, la fixation de la libido se produit toujours à un moment traumatique et celui-ci est parfois très précoce. La pulsion est arrêtée, inhibée et se fixe à un certain moment du développement. Enfin, dans « Analyse avec fin et analyse sans fin » de 1937, Freud dit ceci en parlant du développement de la libido. « Même dans le développement normal, la transformation ne se fait jamais complètement, de sorte que des restes de fixation libidinale antérieure peuvent être maintenus jusque dans la configuration définitive. » Vous voyez que je suivis là l'idée de Jacques-Alain Miller en reprenant le parcours chez Freud d'abord. Chez Freud, la fixation est ainsi toujours liée à la répétition d'un trait libidinal particulier qui a été traumatique, c'est-à-dire qui a concerné l'irruption d'un réel. Mais toutefois, Freud arrête la visée de l'expérience analytique, comme vous le savez, au roc de la castration, sans aller au-delà, sans viser ce point de fixation. C'est Lacan qui va mener l'analyse au-delà jusqu'à dénuder ce point dans la passe, et ce dont témoignent les AE, c'est bien en effet de ce un de jouissance qui est cette fixation que Freud a repérée sans jamais vraiment l'aborder. On trouve en effet ce terme en quelques endroits de son œuvre que je vous ai mentionné là, mais il faut bien remarquer qu'il ne lui a pas donné avec ça une grande portée. C'est Jacques-Alain Miller qui rapproche cette fixation du un de jouissance dans le dernier Lacan. Quand la jouissance n'est plus prise dans la dialectique du désir, mais qu'elle devient pur choc contingent. Vous trouverez ce développement spécialement dans les cours 4 et 9 de l'être et l'un. Je cite là un fragment de Miller, « Ce que Freud a repéré est ce que nous formulons comme la conjonction du un et de la jouissance, telle que la libido ne se laisse pas aller à l'avatar, à la métamorphose, au déplacement. » Ce que veut dire point de fixation, c'est qu'il y a un un de jouissance revenant toujours à la même place. C'est à ce titre que nous le qualifions de réel. Deuxième partie de mon argument, la répétition. La répétition est par contre un concept qui reçoit une place importante chez Freud. Un de ses textes y est consacré, « Remémoration, répétition, perlaboration ». Dans ce texte, la répétition est liée au transfert et vient faire résistance dans la cure, voire aggrave les symptômes. L'émotion pulsionnelle reste sous-jacente. C'est cela que Lacan inverse quand, dans les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, il sépare répétition et transfert pour coupler plutôt la répétition avec la pulsion. N'est-ce pas? C'est l'inverse de ce que Freud fait dans ce texte, puisque Freud lie essentiellement la répétition au transfert en considérant que c'est là une résistance et que l'émotion pulsionnelle, elles, sont à découvrir au-delà. Et dans au-delà du principe de plaisir, c'est la compulsion de répétition qui, de l'aveu de Freud, nous met sur la trace de la pulsion de mort à partir de la répétition de l'élément traumatique. Toutefois, chez Freud, comme chez Lacan avant le séminaire 11, la répétition est essentiellement symbolique. L'exemple majeur chez Lacan en est son séminaire sur la lettre volée, c'est une syntaxe, qui introduit la répétition signifiante avec son caractère automatique. Cet automatisme est à proprement parler la valeur de la mémoire freudienne chargée de toute l'histoire du sujet, dit Jacques-Alain Miller. On peut dire qu'aux origines de son enseignement, Lacan fait de l'inconscient seulement une phrase répétitive qui obéit aux lois de la détermination symbolique. Je citais Miller là. Et on peut ajouter
que ce réseau des alpha, bêta, gamma met en évidence la répétition comme élaboration d'un savoir, S2. Il y a quelque chose, il faut bien dire, d'honnête dans la répétition, parce que c'est déjà du bien connu. Il n'y a pas vraiment de surprise. Par contre, dans le séminaire 11, Lacan amène une nouvelle sorte de répétition. Avec le couple aristotélicien de Tuquet et Automaton, il introduit en effet un nouveau type de répétition. L'automaton est cette répétition signifiante qui obéit à l'ordre symbolique, alors que la Tuquet est l'irruption d'un réel, une rencontre fortuite qui n'obéit pas à l'ordre symbolique. C'est la rencontre manquée, celle qui ne s'inscrit pas dans la répétition signifiante. Et c'est ce qui donne sa place à l'objet petit a, comme reste, et ouvre ainsi un nouveau sens au réel dans le séminaire 11, l'irruption de bout de réel comme bout de jouissance. La Tuquet est une rencontre avec le réel, un réel qui se dérobe et qui est au-delà de l'automaton. C'est l'irruption d'une première rencontre derrière le fantasme, dit Lacan. C'est donc la répétition d'un traumatisme. C'est le réel qui est le principe de cette répétition qui se produit comme par hasard. Jacques-Alain Miller commente ce « comme par hasard » en disant, en faisant valoir que ça anticipe déjà sur le dernier enseignement de Lacan où le réel est sans loi, comme inassimilable. Troisième partie de mon argument, le symptôme. Lacan va par la suite lier toujours davantage la répétition et la pulsion, au point que dans le séminaire 17, l'envers, il dit que la répétition n'est pensable, n'a de valeur qu'à partir de la jouissance. Et Miller précise ce que Lacan appelle savoir dans ce séminaire 17, c'est la transcription de la fable freudienne de la répétition. C'est donc la répétition en tant qu'elle a rapport avec la jouissance. La répétition est ainsi liée au plus de jouir qui échappe à l'opération du signifiant. Mais elle va trouver dans le dernier enseignement de Lacan une autre formule encore plus radicale, puisqu'elle devient le symptôme lui-même. Il y a le un du signifiant tout seul, hors symbolique, qui frappe le corps et il laisse une marque de jouissance. Le symptôme sera la répétition, une itération de cette marque de jouissance. C'est là que nous retrouvons la fixation freudienne. On peut dire que le symptôme, avec TH, c'est la répétition d'une fixation, c'est même la répétition plus la fixation. C'est ce symptôme, avec, donc écrit avec TH, qui est la dernière forme de la répétition et qu'il s'agit maintenant de pouvoir lire. Il ne s'agit plus d'y découvrir l'avènement d'une signification, mais de lire la lettre de l'événement de jouissance qui se répète dans l'événement de corps. De cette itération, comme répétition d'un genre nouveau, parce que c'est une répétition qui ne se prête pas à l'interprétation, mais qui est articulée à la jouissance, Jacques-Alain Miller nous en a donné un exemple paradigmatique. Je le cite dans son texte « Lire un symptôme ». C'est un exemple que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais qui me paraît vraiment central à saisir cette répétition. C'est ce qui se dénude, je cite Miller là, ce qui se dénude dans l'addiction, dans le « un verre de plus ». L'addiction, c'est la racine du symptôme, qui est fait de la réitération inextinguible du même un. C'est le même, c'est-à-dire précisément, ça ne s'additionne pas. On n'a jamais le « j'ai bu trois verres et donc c'est assez ». On boit toujours le même verre une fois de plus. C'est ça, la racine même du symptôme. En ce sens, c'est en ce sens que Lacan a pu dire qu'un symptôme, c'est un « etc. », c'est-à-dire
le retour du même événement. Vous voyez que le thème de notre prochain congrès est aussi en un sens dans la suite logique de celui-ci. Je vous remercie de votre attention.